Vendredi 2 avril 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Meeting politique de l'honorable Barthélémy Kassa pour assurer la victoire au duo Talon-Talata. C'était au profit des populations de Boukoumbé et de Kobli dans la troisième circonscription électorale. Renforcement de capacité des responsables de radio, des acteurs de communication et des chefs d'unité de la police républicaine. Les échanges portent sur une meilleure production en matière de sécurité dans un contexte électoral. Célébration en différé de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette année, les manifestations ont eu lieu dans l'Atakora sur initiative du ministère des Affaires sociales, de la microfinance et de différents partenaires. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. L'honorable Barthélémy Kassa ratisse large pour le duo Talon-Talata au contact des populations de Boukoumbé et de Kobli dans la troisième circonscription électorale. Le coordonnateur départemental de campagne du duo Talon-Talata a saisi l'occasion d'un meeting politique pour rappeler aux citoyens la nécessité de porter leur choix sur Patrice Talon et sa colistière. Alassane Haruna pour les précisions. Pour assurer une victoire retentissante au duo Talon-Talata au soir du 11 avril prochain dans la troisième circonscription électorale, l'honorable Barthélémy Kassa, accompagné d'autres membres de parti et mouvements soutenant la dynamique Talon-Talata, met ses différentes troupes en ordre de bataille. Première étape de cette tournée de campagne électorale, Manta, un arrondissement de la commune de Boukoumbé. Ici, l'honorable gouverneur de la région Pendjari va exposer aux populations les raisons qui ont poussé Patrice Talon et sa colistière à se lancer dans la course au pouvoir. Talon, il a entendu nos cris parce qu'on a dit ici à Boukoumbé, j'étais là. Talon, il reste encore beaucoup de choses à faire. Si tu t'en vas maintenant, on va se fatiguer. Il a entendu et il a dit bon. Je vais vous accompagner encore. Il accepte de nous accompagner encore pour 5 ans. Si la dynamique Talon devrait se poursuivre après le 11 avril 2021, beaucoup de choses changeraient dans le quotidien des Béninois, estime l'honorable Gilbert Bagana, qui va ensuite exhorter les populations à porter leur choix sur le duo Talon-Talata une fois dans les urnes. Chers populations, le président Talon a dit, s'il revient, pour les 5 ans, il y aura l'électricité ici. Il y aura la voie ici. Pour aller à Tangeta. Il a dit tous les jeunes, à partir de maintenant, vont apprendre ce qui va leur donner à manger demain et non pour chômer. C'est ça qui est important. À Kobli, deuxième étape de ce périple, le discours des différents orateurs n'a pas changé devant les populations fortement mobilisées sur cette place publique. L'honorable Barthélémy Kassa va s'inspirer du projet de société du duo Talon-Talata, compilé dans cet ouvrage intitulé « Le développement saïr » pour convaincre son électorat. Voilà le livre que Talon a dit de vous montrer. Est-ce que celui qui veut mentir va écrire ça? Tout ce qu'il va faire pour Kobli, c'est ici, Deborah Miera. Deborah Ini. Deborah Ini. Tout ce qui sera fait pour Kobli, c'est ici. La route Tangeta-Kobli, c'est ici. Il a dit quelque chose de particulier. Désormais, notre durée de vie va augmenter. On ne va plus mourir vite parce que nous aurons accès aux soins de santé. Il y aura assurance maladie pour tout le monde. De Boukoumbé à Kobli, en passant par Manta, les émissaires du duo Talon-Talata sont plus que jamais convaincus que leur message est passé devant les populations déjà acquises à la cause du président sortant. Le Front d'action pour la continuité du ministre Salimane Karimou est également à pied d'œuvre pour la victoire du duo Talon-Talata. Ses militants sont activement impliqués dans la campagne sur toute l'étendue du territoire national. Retour en son et en image sur le lancement de la campagne par le Front d'action pour la continuité. C'est à partir de Pobé, dans le département du Plateau, que le Front d'action pour la continuité FAC et le collectif des enseignants engagés pour la continuité
ont lancé leur campagne pour la victoire du duo Talon-Talata. Nous rentrons en campagne électorale avec le déploiement d'un bataillon de 2 unités dotées d'une artillerie lourde. Les 2 unités, ce sont le FAC et le CEEC, avec comme commandant de bord le coordonnateur national, M. Salimane Karim, que je vous demande d'ovationner. Ici réunis, les points focaux de ces deux mouvements qui œuvrent pour la réélection du président Patrice Talon. Ils sont venus recevoir du coordonnateur national Salimane Karim les consignes pour une mobilisation réussie des électeurs au profit du duo Talon-Talata. Grande est ma joie de vous dire toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations pour cette mobilisation. Qu'ils nous souviennent que depuis le 12 septembre 2020, nous nous sommes retrouvés, nous sommes mis ensemble et nous avons pris ensemble un pari. Et ce pari est de nous préparer pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Et dans ce pari, nous nous sommes fixés un objectif, celui de porter le taux de participation à au moins 70%. Depuis ce temps, personne parmi vous ne s'est reposé. Après, votre mission de pouvoir inviter les gens à sortir massivement pour voter le duo Talon-Talata, le meilleur duo aujourd'hui, alors il faut pouvoir également enseigner aux gens qu'il faut la paix, que tout ça doit faire la paix. Il n'y a pas de développement sans la paix. Le top est donné par Salimane Karim qui a investi ses lieutenants d'aller sur toute l'étendue du territoire national à la conquête des électeurs pour une victoire éclatante du duo Talon-Talata au soir du 11 avril. Et toujours dans le même registre, le président du PRD, Adrien Ngbedji, poursuit ses descentes sur le terrain au profit du duo Talon-Talata. Hier jeudi, il était dans 4 communes du département du Plateau pour non seulement inviter ses militants à massivement voter pour le duo le 11 avril prochain, mais également prôner la paix. Précision. Première étape de ce périple du président du Parti du Renouveau démocratique à la conquête des électeurs pour le compte du duo Talon-Talata, la commune de Pobé. Ici, Maître Adrien Ngbedji a sensibilisé ses militants à ne pas céder aux sirènes de la violence et à sortir massivement voter le duo Talon-Talata le 11 avril prochain. Ma besoin d'avoir fait une campagne électorale pour tout à l'heure. Ma besoin de faire une campagne. Je suis venu à la maison. Après Pobé, c'est la commune d'Adjaouere qui a accueilli la délégation du PRD. Avant de rencontrer ses militants pour passer son message, Maître Adrien Ngbedji a rendu une visite de courtoisie au patriarche Sefou Fagbohun. Vous avez constaté, naturellement, que Choko Choko n'est jamais mort. C'est une fierté pour nous aujourd'hui de vous accueillir à Djaouere,
naturellement au nom du conseil communal d'Adjavare, au nom des fils et filles de la commune d'Adjavare, nous voudrons vous souhaiter la bienvenue et prier que ce combat que vous avez toujours mené puisse avoir un aboutissement heureux au soir du 11 avril prochain. Les communes de Sakété et d'Ifayi, avec des militants massivement sortis écouter leur leader charismatique, ont bouclé la boucle de cette descente de Maître Adrien Ouedji dans le département du Plateau. On s'intéresse maintenant à l'atelier de formation des professionnels des médias entrant dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. C'est une initiative du ministère de la Communication et de la Poste qui vise à renforcer les capacités des hommes des médias en matière de production et de diffusion de l'information par le numérique à travers les médias traditionnels et les nouveaux médias. Précision avec Ouliad Tianoussi. Une quarantaine d'organes de presse, toutes catégories confondues, participe à cet atelier de formation qui s'inscrit dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021. La rencontre est initiée par le ministère de la Communication en cette période de campagne électorale souvent caractérisée, entre autres, par la désinformation et des tentatives de perturbation de l'opinion publique. Vous êtes le bras outillé de la performance démocratique. Il vous revient donc à vous, professionnels des médias qui faites si bien votre travail, de contribuer au travail permanent de désintoxication, au travail permanent de combat de la désinformation, combat permanent auquel nous nous livrons depuis un certain temps. S'il y a de plus en plus de très belles performances des médias traditionnels, des réglages restent quand même encore à faire sur les nouveaux médias. Les médias basculent donc progressivement vers le numérique. Facebook, Twitter ou WhatsApp ne sont plus des espaces d'échange en cercle d'amis. Ils sont devenus de véritables canaux et supports d'information, la bonne comme la mauvaise. En tout cas, les nouveaux médias, et vous l'avez remarqué, ils reçoivent l'attention particulière du ministère de la Communication et de la Poste, et M. le ministre veille particulièrement à ça, il le souligne à chaque occasion. Ce matin, nous a donné à l'exercice en nous focalisant sur les mutations irréversibles auxquelles l'exercice du métier doit faire face. La communication du jour est centrée sur la production et la diffusion de l'information par le numérique. L'accent est mis ici sur les principes, règles et exigences du code du numérique en vigueur depuis 2018 au Bénin, après le code de l'information et de la communication. La presse est l'outil de mesure de la démocratie, de son évaluation et de son appréciation dans un état de droit comme le Bénin. Elle doit donc contribuer à son renforcement et ne jamais permettre directement ou indirectement sa déstabilisation. D'où l'importance de cet atelier de formation. L'atelier de ce matin vise donc à vous aider, une fois encore, à vous approprier les règles qui gouvernent la production et la diffusion des contenus sur ces canaux, surtout en ce moment sensible de campagne pour l'élection présidentielle. Vous imaginez donc qu'il sera beaucoup question au cours de l'atelier du code numérique, loi qui est devenue à tort un cauchemar pour les professionnels des médias et les web activistes. Pourtant, ça devrait être un havre de paix, une panacée à la joie, parce que c'est pour vous faciliter la tâche que ce code numérique a été conçu. Les participants sont invités à s'approprier les messages afin d'utiliser ces instruments de façon professionnelle avec la déontologie requise. Et les échanges devraient leur permettre de renforcer les règles de la production de contenu de qualité sur le numérique. D'un atelier à un autre, on parle maintenant de l'atelier de renforcement de capacité des responsables de radio, des acteurs de communication et des chefs d'unité de la police républicaine. Les échanges portent sur une meilleure production en matière de sécurité dans un contexte électoral. Compte rendu. Cet atelier de formation ouvre ses portes à Posotomé de la commune de Bopa. Organisé par le ministère de l'Intérieur avec le soutien financier de la Fondation Hans Siedel, l'atelier réunit des responsables de radio et autres acteurs de communication ainsi que des chefs d'unité de la police républicaine. L'objectif est le renforcement des capacités
des acteurs et promoteurs de la communication, à l'éducation et à la sensibilisation, des citoyens pour une participation à la production, de la sécurité dans un contexte électoral et à la prévention des violences électorales. La fondation Hans Sadel est une fondation politique. Mais dans les pays qu'elle accompagne, elle n'exerce pas sa fonction politique. Elle tisse plutôt des partenariats à travers lesquels nous essayons donc d'apporter des volets politiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille donc, de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Et donc, il faut donc réunir tous les acteurs qui sont dans la chaîne d'organisation de ces élections-là pour apporter quelques informations, relever quelques défis. La communication inaugurale a porté sur la coproduction de la sécurité, rôle et responsabilité des acteurs de la communication. Au total, 4 communications sont prévues pour servir de fil conducteur aux travaux. Acteurs de la communication, ils ont un rôle à jouer par rapport à l'information à diffuser dans la communauté. Ils ont essentiellement pour mission d'apaiser les craintes communautaires en cette période sensible, parce qu'une information inopportune est source de violence. Les acteurs de la communication également sont là pour soutenir les actions de la police, accompagner la police, partager la sensibilisation, l'éducation de la population en cette période sensible. Donc, on les invite à accompagner la police, à être disponible, à partager les informations sécuritaires et à avoir des attitudes citoyennes durant cette période-là. À l'issue de cet atelier, les acteurs et promoteurs de la communication seront outillés à appréhender et bien assumer leurs responsabilités en matière de renforcement de la participation citoyenne à la production de la sécurité en période électorale. Ils pourront désormais sensibiliser de façon efficace les citoyens à la prévention des violences électorales tout en renforçant leurs relations avec la police républicaine. Dans un tout autre registre, maintenant, on s'intéresse au lancement de l'examen du permis de conduire en ligne. Pour la première fois, le dispositif de composition est donc en ligne et les candidats ont été évalués via leur téléphone portable. La réforme vise à faciliter la vie aux acteurs et surtout lutter contre les pratiques frauduleuses et la corruption. Reportage Clément Achadé. La réforme de dématérialisation de l'examen pour l'obtention du permis de conduire longtemps souhaité devient une réalité au Bénin. Ce lundi, le candidat à la recherche de ce précieux sésame ont planché pour la première fois en ligne via leur smartphone. Une réforme de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, qui vise à soulager tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Après cette première expérimentation de la réforme, candidats, responsables d'auto-écoles et autres acteurs saluent cette innovation du gouvernement Talon. Je pense que cette nouvelle formule est la meilleure parce que ça nous évite le stress. Dès qu'on finit la composition, on est stationné déjà sur notre statut et tout si on est admissible ou pas. C'est le moment de dire que l'ensemble des auto-écoles avaient toujours souhaité ça. Mais si aujourd'hui nous constatons l'effectivité de cette réforme-là, on ne peut qu'applaudir et encourager l'ANAT déjà et l'État particulièrement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la dynamique continue et l'ANAT aussi peut compter sur le professionnalisme des associations d'auto-école que nous sommes. Il faut déjà dire que nous n'avons pas changé les habitudes des candidats. Ce qui a plutôt changé, c'est peut-être la feuille de composition. La feuille de composition est désormais remplacée par les smartphones où les candidats n'utiliseront plus simplement que leurs doigts pour pouvoir cocher. À travers cette innovation, l'ANAT veut corriger les défaillances constatées depuis l'arrivée de son nouveau responsable. Ceci dans le but de protéger la vie des usagers de la route. C'est ces améliorations-là et qui ont permis la mise en place du système que vous observez. Donc il s'agit d'un système électronique de composition du code de la route à l'occasion de l'examen du permis de conduire. Et ce système est complètement automatisé. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de promouvoir, de renforcer la sécurité des usagers de la route.
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les examens sont mal organisés ou lorsqu'on délivre des permis, des autorisations à des candidats qui ne sont pas qualifiés, on expose la vie de tous les usagers de la route. Et c'est ce que nous avons voulu éviter en mettant rapidement en œuvre cette réforme qui vient vraiment révolutionner l'organisation de ce type d'examen dans notre pays. Cela dénote de la volonté du chef de l'État de vraiment promouvoir la bonne gouvernance dans tous les domaines. Désormais, les candidats à l'examen de permis de conduire n'utiliseront plus de feuilles de composition et les stylos. Ces éléments sont donc remplacés par des smartphones. L'autre avantage pour les candidats est la célérité des résultats qui sont connus quelques minutes après la composition. De même, les dossiers de candidature que portent les responsables d'auto-école seront désormais déposés en ligne avec la possibilité de paiement par voie électronique. Pour l'ANAT, la réforme vient renforcer la bonne gestion de l'examen sans oublier l'amélioration des recettes pour l'État. Lancement de deux plateformes agricoles par le ministère de l'Agriculture. Il s'agit de deux outils digitaux conçus par la Chambre nationale de l'agriculture visant à booster le système agricole. Le reportage est de Ingrid D, présenté par Assiambo Kanye Assiambo. Promouvoir les filières agricoles au Bénin, tel est l'objectif de cette rencontre qui consacre le lancement officiel des plateformes d'information et d'échange des acteurs du système agricole AgriZone Sénat et acteuragricole.bj. Ces outils digitaux qui se veulent un espace de rencontre des acteurs du secteur agricole et partenaires offrent une kyrielle d'opportunités aux usagers. Ces deux instruments constituent à nos yeux des opportunités à saisir par nous, acteurs agricoles, pour mieux nous vendre, vendre nos produits et services, et pour nouer de meilleurs contacts avec les prospects, les clients et les partenaires. Les chambres d'agriculture du Bénin saluent à juste titre les efforts du gouvernement béninois qui investit d'importantes ressources de diverses natures pour révolutionner notre agriculture. La mise en service de ces plateformes fait suite à une signature du protocole entre la Chambre nationale de l'agriculture et le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, PARACEP. Financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, ce protocole d'accord a pour objet de fixer le cadre de partenariat entre les parties signataires afin de concrétiser les actions d'appui et d'assistance technique du programme de travail du PARACEP 2019-2021. L'Union européenne appuie l'agriculture et le secteur privé depuis déjà plusieurs années. Et aujourd'hui, si on entend cumulé sur les 4 dernières années, près de 100 millions d'euros ont été investis sur le Bénin. Si on compte les interventions des États membres de l'Union européenne, tels que l'AFD, ce montant effectivement dépasse certainement les 150 millions d'euros. C'est un début et c'est une première phase. Et l'Union européenne continuera avec les États membres à appuyer le Bénin et le secteur privé. N'est-ce pas un privilège pour notre secteur de se doter de telles plateformes, faisant ainsi de l'intégration des nouvelles technologies dans l'épineuse problématique de l'accès au marché une réalité tangible? Ce sont là, en effet, pour nos exploitants et entrepreneurs agricoles, autant de possibilités pour s'ouvrir à des clients proches ou éloignés au marché de l'intérieur comme de l'extérieur de notre pays. Initiées par la Chambre nationale d'agriculture, ces plateformes ont bénéficié du soutien technique du ministère de l'Agriculture. Une équipe de consultants a été mandatée pour travailler sur la mise en place des plateformes et pour assurer leur bon fonctionnement. Célébration en différé de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines au Bénin. Cette année, les manifestations ont eu lieu dans le département de l'Atakora, sur initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et plusieurs partenaires. Voici les précisions dans ce reportage de Régis Hippolyte Agosso. Stop aux mutilations génitales féminines. Voilà le leitmotiv qui sous-tend la présente rencontre de Nati Tengu qui commémore en différé la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines.
Une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel, SOED. C'est un projet d'envergure nationale qui couvre les 77 communes du Bénin. En effet, les mutilations génitales qui recouvrent l'ensemble des interventions consistant à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales sont considérées au niveau international comme une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité et même à leur droit à la vie lorsque ces conséquences sont mortelles. Jeunes femmes, souvent victimes de ce fléau, responsables à divers niveaux et têtes couronnées de la Takora, ont participé à ce dialogue communautaire de Nati Tengu. Les MGF sont une atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la femme. Elles sont aussi une infraction aux droits humains et font partie intrinsèque des formes de violence faites aux femmes en général. Voilà pourquoi la représentante du préfet de la Takora se réjouit pour l'organisation de ce dialogue dans la Takora. Les mutilations génitales féminines vont à l'encontre des principes fondamentaux des Nations Unies sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. La célébration de cette journée est donc pour tous les acteurs un moment de réitérer notre engagement pour garantir de meilleures conditions pour l'épanouissement des filles du Bénin en général et celles du département de la Takora en particulier. Le souhait des initiateurs de ce dialogue est de parvenir à sortir des propositions de stratégie et d'action à mettre en œuvre en vue d'éradiquer cette pratique. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme à présent, l'ONG Afrique Mutualité, avec l'appui du consortium ABMS, ABPF et CARE International Bénin Togo, sacrifié à la tradition. À l'occasion, les meilleurs groupements d'épargne et de crédit ont été cités en exemple et primés. Reportage Geoffroy Masson. Les femmes et plus précisément les membres des groupements d'épargne et de crédit appelés Fafawa sont à l'honneur dans cette salle à Lokosa. Moment de retrouvailles et de festivités, ce rendez-vous de célébration différée de la Journée internationale de la femme édition 2021 par l'ONG Afrique Mutualité est axé sur le thème « Femmes pour vaincre la pandémie de la COVID-19, respecte les gestes et mesures barrières ». Cette activité qui concilie la célébration de la journée de la femme et sensibilisation sur la COVID-19 vient à point nommé. Elle permettra de rappeler aux populations, notamment aux groupements féminins, en ce jour spécial qui leur est dédié, les comportements ou gestes barrières à respecter pour éviter d'être contaminés par le virus de la COVID-19. Pour marquer d'un saut particulier l'événement, le plateau offert aux participants a été riche et varié. Outre le renforcement de leurs capacités en matière de techniques de fabrication de savon liquide, les groupements Fafawa ont été mis en compétition en sketch. À l'issue des phases de sélection, les deux meilleurs retenus ont presté ici devant un jury. Le premier prix revient à l'Omnava de Achanou. Et le deuxième prix revient à Aïmevo de Rouen. Ainsi, le groupe L'Omnava de Achanou, dans la commune d'Atiémé, est sorti premier. Et le groupe Aïmevo de Rouen, dans la commune de Lokosa, est classé deuxième. Ils ont eu droit, comme prix, à des mobiliers. Divers jeux et prestations artistiques ont aussi meublé la fête. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos différents programmes sur Canal 3 Bénin.